Bonjour à tous et à toutes, je suis Alice et bienvenue pour la suite de Neverwinter Nights de Mask of Petrius. La dernière fois, après avoir fini cette petite enquête dans le théâtre et avoir atterri à Mulsentir, la ville de Mulsentir, nous avons découvert que l'esprit du loup, Kuma, tiens, j'en ai découvert qu'il fait jour. L'esprit de loup que nous avons battu dans le tertre est revenu aux portes de la ville et on nous a dit de nous débrouiller pour qu'il n'attaque plus le village. Et dans un premier temps, après avoir un petit peu découvert la ville de Mulsentir, nous sommes allés à la prison afin de savoir si un des prisonniers pouvait nous aider. Et l'un d'eux, qui s'appelle Gan, que voici, Gan le Ténébreux, eh bien Gan le Ténébreux était d'accord, même s'il semblerait que ce chaman spiritiste soit un petit peu mystérieux et qu'il ait potentiellement quelques petites choses à nous cacher. Et on peut le voir, par contre, c'est vraiment un spiritiste, il n'a que des corrections, des bénédictions, des formes, etc. etc. Du coup, je vais vérifier. Ah oui, il y a aussi des informations sur la quête du parjure. Il y avait dans certains endroits des batailles optionnelles. Mais on verra ça un autre jour. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste, la fille prodige? Ah oui, il faut aussi retrouver quelqu'un qui, a priori, se serait barré dans le monde des esprits accessibles grâce à la pierre noire que l'on a. Alors, il semblerait que la colombe a visiblement disparu. La forteresse du dieu de la mort dans le Mulsentir de l'ombre. Sur la ville, sur le plan de l'ombre. Alors, le but, du coup, c'est de trouver ce plan de l'ombre. Et là, je pense qu'il faudrait aller au temple de Kelemvor. Donc, je vais y aller. Je ne connais absolument pas les quêtes. Je vais sûrement me planter. Mais c'est pas grave, écoutez. Et je le dis, je le répéterai à chaque fois, à chaque session. Si jamais le jeu, pour une raison X ou Y, me met une difficulté un peu trop grande pour moi, je n'aurai aucun scrupule à utiliser quelques petits cheat codes, bien évidemment. Vous en avez l'habitude. Alors, est-ce qu'il y a quelque part... Encore un temple dédié à vos dieux. Ah oui, oui, Gan, oui, oui, tout à fait, Gan, c'est dédié à nos dieux. Est-ce qu'il y a un passage dans le Mulsentir par ici? Non. C'est souvent dans des endroits, dans des bâtiments un peu importants. Pas ici. Je vais essayer de regarder la quête et d'essayer de comprendre. Oui. Non, la caméra par contre c'est mon ennemi. Oui. Est-ce que tu peux bouger, s'il te plaît? Voilà. Une forteresse. Est-ce qu'il y a une forteresse? Alors là aussi, on peut faire la bagarre, mais pas envie. Est-ce qu'il faut que je retourne à la sortie? Bon, je vais sûrement me faire défoncer. Voilà, c'était ça, le temple du voile, exactement. Est-ce que... Ah, mais attends, est-ce que à partir de l'entrée du temple du voile, je peux accéder au Mulsentir extérieur de l'ombre? Je pense que ça mériterait d'essayer, ça mériterait que j'essaye quand même.
On va voir si j'ai raison. Ça se trouve, je me plante. Passer le portail. Et est-ce que je peux sortir? Ok, théâtre de l'ombre, ça c'est bon, c'est d'accord. Ça c'est sûr et certain. Théâtre de l'ombre, c'est tout pas beau, c'est tout moche, ok. Ma question c'est, est-ce que je peux sortir? Ah, ça, putain, c'est fermé. C'est fermé, c'est fermé. Ah oui, puis il y a les restes de Liena, oui. Oui, bah oui, oui, oui. Oui, bah oui. Mais ça, je peux pas. Ça, je peux pas. Ah, c'est rageant. Une clé spécifique. C'est énervant. Bon. Au moins, j'aurais essayé. Dans ce cas, il faudrait peut-être que j'essaye de voir. Peut-être essayer de voir. Ouais, dans une autre zone. Ah ouais, puis il y a cette porte là qui est aussi fermée. Il y a plein de portes qui sont fermées, c'est très étonnant. Avec les spécifiques. Je sais pas. Je vais peut-être me renseigner sur une solution. Ce qui serait une des bonnes choses à faire. La couleur du dieu ours, c'est ça, c'est ça, c'est ça. D'autres portails sur le plan de l'ombre, bah oui, bah va falloir que j'explore un peu tout. Est-ce que quelque part, à l'entrée de la ville, il y a un portail? Oui. Oui, on va se préparer, TKT. Et déjà, on explore. Si je peux pas trouver une faille, un portail, quelque chose. C'est ça qu'il me faut. Ah, petite barrique. Ah bah. Autant d'or dans une barrique. Cool. Il n'y a pas de portail. Non, tais-toi. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autre portail. C'est très énervant. Oh, vous savez quoi? Je vais aller regarder. Ok. Alors. Semblerait-il. Tant que vous possédez votre familier. Ah, bah oui. Il semblerait qu'en fait. Alors, je vous explique. De ce que j'ai compris. En montant là-bas. Les portails de l'ombre ne peuvent être. Vu et du coup utilisé que quand il fait nuit. Et donc du coup on va faire rassembler votre groupe avant de vous reposer. On va faire ça, hop, et on va attendre le crépuscule. Voilà, on va simplement attendre le voilà, on est le soir, parfait. Et le soir j'ai un peu plus de chance et je sais à peu près où aller. En fait il faut que j'aille tout au nord sur ce point-ci très précisément. C'est extrêmement précis et je remercie du coup Game Banshee, un site américain qui m'a dépêtré de pas mal de problèmes lors de To Never Winter Nights 2. Et ça c'est fort sympa. Alors hop, et c'est ici. Alors évidemment il n'y a aucun moyen de savoir à moins de tout explorer. Et ça doit apparaître. Ah voilà. Et ça apparaît comme ça au pif. Et donc du coup, portail d'ombre. Hop là, on va
sauvegarder. Tac. Et on va y aller, je ne sais pas ce qui se passe derrière, mais tant pis. Les ombres s'échappent de ce portail et j'ai l'air devenu glacial. Ah, si tu savais, mon petit pote. On passe et on va chercher la personne qui sait. Ah, oula. Oula, oula. Oula. Oula là. Ouh, ouh, joli. J'espère qu'ils pourront se débrouiller tout seuls. Je sais pas trop où je suis là, je vous avoue. Ok. Bah dis donc. Ouais. Et du coup. Ok. Et ben bravo. Bravo. Par contre elle a dû tout mettre. Tout mettre dans ses sorts. Bravo les gars. Ah, un ennemi proche a interrompu votre période. Bah non. Revenez là, hop. Bah, il est con. Bon, on peut continuer comme ça, mais toi. Oui. Ah ouais, elle a utilisé ce sort. Elle est là, lui, il a pas trop non plus, pas trop de sorts. Oui. Non, ça veut pas. Bon, on va reprendre le portail. On va se soigner plus loin et puis enfin on va se soigner dans l'autre plan et puis voilà. Hop. Au pire s'il refait jour il fait bien nuit, parfait. Et on repasse. Alors. Oula, ah. What? Essayer de m'attaquer là? Non, c'est moi. Alors. Mais tout semble altéré de manière subtile. Subtil? Tu veux dire le fait qu'il n'y ait pas les couleurs, c'est subtil. J'espère que c'est une blague, mec. Oula. Ouh, aïe. Ouh, aïe. Bah, j'espère que l'ordinateur est prêt, hein. Ah, je crois qu'on m'a vu. Non. J'espère que l'ordinateur il est prêt. Moi, je suis pas prêt, là. Tu vas regretter de nous avoir croisés. Il y en a combien? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 1000. Ouais, il y a 1 milliard de personnes. Non, peut-être pas 1 milliard. Peut-être juste 5. Et c'est déjà trop. Ah, je suis mort en fait. Je suis mort comment? Attendez, je suis mort où moi? Je suis mort, d'accord. Attendez, on va la refaire parce que j'ai pas compris. On va la refaire, j'ai pas vu. Pardon, j'ai pas vu. Mais qu'est-ce que c'était que cette horreur? On va la refaire en mieux. Voilà. Étourdi, très bien. Je suis étourdi. Et je me prends. D'accord. Maintenant je comprends mieux. Et un. Parfait.
ils ont pas l'air très très forts comme créatures. Ils ont pas l'air, hein. Bien sûr. Les deux. Et il y a un magicien. Voilà. Et trois créatures. What? Et d'un seul coup, le jeu, il a décidé qu'il était trop fort. Incroyable. Moi, ça m'arrange, hein, je vais te dire. Des essences. Plein d'essences. Statue de Vesharon. Était effigie du milieu Vesharon, l'archimage de la nécromancie, ses adeptes. D'accord. Avant de s'incarner en liche, Vesharon était un magicien rouge de thé. Oh, ok. D'accord. Bon. Ici, il n'y a pas d'indice. Je ne peux toujours pas me soigner. Je pense que c'est interdit de se soigner ici. Statue. Ah, mais c'est les statues qu'il y a aussi dans le plan matériel, je pense. Ouais, je pense que c'est ça. Ah, si, je peux me reposer. Ok, mais il faut que je sois vraiment. Mes ennemis, vous entendez une embuscade? Ah, bah, tu m'étonnes. Il y en a un seul. Ouais, je peux le faire, hein. C'est vraiment des ennemis faciles actuellement. Et c'est très très bien dans quelque part. Bon. Oh. What? Il y a un portail d'ombre là-bas aussi. Ok. Mais je peux pas y aller là. Oula, si ça, je peux y aller, mais ça a l'air. Il faut que je fasse un grand détour de mort. Bon. Ah, soit complet. Ok, soit complet. 8 heures sont passées dans ce monde altéré. C'est très bien. Je pense qu'on va se faire le monde altéré pour le mieux sentir altéré, plutôt. Alors, on va essayer de descendre au fur et à mesure. Oula, ouf. What? J'ai. Wow, bravo, alors je l'avais pas vu. Alors là, bravo, je ne l'avais vraiment pas vu. Ah, mais il y a des ennemis invisibles? Mais what? Mais quoi? Mais pardon. Je n'ai rien vu. Alors là. Oulala. Alors eux. Ça va pas être la même tarte. Ça va pas être la même chose. Ouh, et ça s'en sort. Ouh, ça s'en sort un peu vénère. Ouh. Ah ouais. C'est pas la même. Oh. J'ai pris un 126 et je l'ai esquivé ou. Ouais. Alors son pote n'a pas l'air de suivre. On va se soigner. Hop là, parfait. Et on y retourne. Oh, je prends si cher. Ah, pour toi, c'est le dieu de la mort. Ça au moins, j'ai trouvé. Ah, mais non, mais je prends si cher. Aïe. Bah non, mais je vais mourir, en fait. Ouais, bah voilà. Et qu'est-ce qu'elle fait, Safia, là? Non, mais Safia. Ton ennemi, c'est lui? J'aimerais que tu le défonces. Genre, s'il te plaît.
Ah putain. Voilà. D'accord. Et il faut qu'elle recule de... Ah mais... Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle branle? Elle est... C'est une blague. Ah, elle est effrayée. Ah, c'est vraiment la meilleure blague qu'elle peut me faire, là. Genre, vraiment? Ah, c'est même pas une blague, elle est vraiment effrayée, cet abruti. Non, mais vraiment, quoi. Allez, bah on fait demi-tour. Bah tu vas faire demi-tour, je m'en fiche. Voilà. Genre ton ennemi, il est là-bas, Saphir. Hop. Et tu vas lui faire une boule. Voilà, c'est bien, c'est bien. Petite tempête de glace. Oh, ok, pas la glace. Ok. Ah, presque. Allez, maintenant tu lui lattes les genoux. Bon. Non. Non, une... Voilà, ici. Allez. Il y en a... Aïe, il n'y en a pas un qui tombe, c'est énervant ça. Changement de programme, j'en ai marre. Je vais attaquer direct avec tout le monde. Et comme ça, on verra si ça change un petit peu. Allez, on y retourne. Voilà. Mets-toi une aura. Voilà. Voilà, t'as bien raison. Et je me refais buter. Non, mais c'est n'importe quoi ça. Non, mais non. Non, 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 non. Ok, ça suffit. Ça suffit. Stop. Stop, 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 et stop. Il y a un moment, faut arrêter de se foutre de ma gueule. C'est comment déjà? Un DM code.
Ma magie va effacer cette nuisance. Voilà. Parce qu'il y a un moment, il y a un moment, j'en ai marre, moi. Et un. Quel enfer. Voilà. Et bah c'est pas trop tôt. Bah voilà. Un petit peu de triche et puis terminé. Voilà. C'était simple. Hop là. On n'a rien vu, ça rien passé. C'était une win. C'était une win. Et voilà. Nom de Dieu. Je vais sauvegarder quand même. Hein, histoire que j'ai pas de mauvaise surprise quand je dorme. Si j'ai une mauvaise surprise si je dors, je vais m'énerver. Hein. Ah. Alors. Forteresse du dieu de la mort, c'est là que je dois aller. Parfait. Et ben on y va, on va voir ce qui se passe et puis on va tout casser. Il y a un piège, bien sûr. Pourquoi je suis pas étonné? Voilà. On ouvre la porte et on rentre. Et on va tout BZ. Alors, qu'est-ce qu'on a à cet endroit? Ok. Ok, ok. J'aime pas ça, je vais contourner. Je vais, dans le doute, me mettre à chercher quand même parce que il se peut qu'il y ait des pièges. S'il y a un piège, je l'aurai dans l'os. Kayline la colombe. Ah bah elle est là. On peut discuter, madame ? Rares sont ceux qui oseraient braver les portes maléfiques, enfermant cette jumelle ténébreuse de Mulsantir. Et pourtant, vous voici. Quelle est la raison de votre présence? Avez-vous ressenti quelque appel? Cela ne me surprend guère. Mes semblables sont loyaux, et souvent opiniâtres. Vous avez certainement vu Ephraim ou Susa, sinon les deux. Il y a longtemps que je n'ai pas eu de nouvelles de la meute, et visiblement, ils n'ont pas abandonné la chasse. Mais cela ne leur ressemblerait pas de renoncer, surtout pour leur sœur. Je suis Kaéline, anciennement de la maison de la Triade. Mon âme est maintenant au service d'Ilmater. Ilmater est le dieu des martyrs et de la souffrance. Il réconforte ceux qui souffrent, ou qui se sentent incomplets. Vous connaissez donc son nom et son dogme ? Il nous appelle et réconforte ceux qui souffrent. Même en ces lieux, je sens sa présence et elle me donne la force de continuer. Je cherche à m'introduire dans cette forteresse. C'est la prochaine étape de mon pèlerinage.
et la porte devant moi n'est qu'un obstacle de plus placé sur ma voie. J'ai passé presque toute ma vie à arpenter les plans. Il m'a pourtant fallu longtemps pour sentir le flux et le reflux des portails de Mulsentir. En me concentrant, j'ai réussi à les dominer. Mais à en juger par votre force, ce dut être plus difficile pour moi que pour vous. J'ai surtout employé mon temps à venir jusqu'ici. Mais j'ai aperçu des feux dans le lointain, ici sur le plan de l'ombre. Mais j'ignore qui d'autre s'y trouve. Je les ai vus près du bac. Il se peut qu'il y ait des visiteurs, comme nous. J'imagine mal les créatures natives de ce plan faire du feu. Vous et moi ne sommes peut-être pas en posture idéale pour poser pareille question, venant ici avec des buts précis. Quant aux autres, l'isolement peut être leur vœu. Le plan de l'ombre est idéal pour dissimuler un secret à la fois proche et hors de portée des voleurs ou des curieux. Des choses maléfiques peuvent s'y produire, à l'abri des regards. Oh, il n'y a aucun courage là-dedans. C'était plus simple d'avancer que de reculer. J'ai combattu maintes ombres pour venir jusqu'ici, et en explorant cet endroit, elles ont ressurgi des ténèbres. J'imagine qu'avec le temps, les adversaires que vous avez vous aussi combattus en venant peuvent réapparaître. Effectivement. Contrairement aux autres édifices, ce n'est pas une ombre de Mulsentir. Il a été construit à dessein sur le plan de l'ombre par des prêtres de Myrkul. Même le rôle des dieux et de leurs prêtres change avec le temps. Myrkul fut autrefois dieu de la mort, puis Kelemvor a pris sa place. Mais les créations de Myrkul demeurent. Jusqu'où avez-vous poussé votre exploration? De nombreux prêtres de Myrkul demeurent dans les antichambres. Je ne souhaitais leur révéler ma présence qu'après avoir terminé mon étude de la porte menant au niveau inférieur. Hélas, ce que je cherche se trouve probablement dans les salles latérales, où les prêtres accomplissent les rituels en l'honneur de Myrkul. Les disciples de Myrkul demeurent, mais sous forme de momies. Ce sont des adversaires coriaces, mais ensemble, nous avons une chance. Mes pouvoirs sont à votre disposition. J'apprécierais de ne plus être seule. Mon séjour ici fut bien silencieux. Mais ici se tient mon devoir. Je dois accéder à la forteresse inférieure. Quoi que je fasse, cette porte me résiste. Je n'arrive pas à trouver un moyen de l'ouvrir. J'avoue que je ne sais plus quoi tenter. Cette aide serait, ma foi, la bienvenue. Voilà trop longtemps que j'erre seule, loin de mes frères et sœurs. Peut-être est-ce un appel qui, comme moi, vous a fait venir ici? S'il en est ainsi, les plans ont besoin de nous. Je me mets à votre service. Voyons quel bien peut ressortir de cette alliance, et puisse Ilmater veiller sur nous. Ah, quelle est une prêtresse capable de lancer de puissance... Oh, c'est encore comme... Ok, faut bien que je lise. Le puissant sort de soins. Ses pouvoirs sont également très efficaces contre les morts vivants. Ah, ça c'est extrêmement utile. Sa nature de demi-céleste lui vaut de disposer de divers dons ratios uniques comme l'immunité aux maladies et une réduction de dégâts face aux armes non magiques. Mais c'est pété. Voilà un nouvel allié avec nous, Kaylin la Colombe. Oh, je viens de découvrir un bouton. Trop bien. Ah oui, j'ai découvert un bouton. Alors, Kaylin, voyons voir. Kaylin. Prêtre, très bien. Estimation. Très bien. Et qu'est-ce que tu as sur toi? Bouclier de l'aube et une masse plus 4. Ça paraît pas mal tout ça. Ok. Alors, je vais juste checker ça. La croisade du parjure. Ah, voilà. La fille prodige. Ah, si vous parvenez à retrouver Kaylin saine et sauve. Après. Je suis quand même curieux de voir ce qu'il y a à ce niveau-là. Avec, voilà, oui. Avec moi.
Bon, je peux m'enlever en... Je peux m'enlever de mon truc. Qu'est-ce que... Voyons, ration de crocheté. Oh bah... Et bah ça a été fi. Bah d'accord. La porte d'un... Ah non, d'accord. La porte d'un noir de G, sa surface est gravée de ruines et d'une... Vous sentez qu'il s'agit d'une simple copie d'une œuvre bien plus grandiose. Et mince, verticale... Pouvez-vous déchiffrer ces runes? Ça ne sont pas étrangères, je les ai déjà vues. Ah. Je vais pas forcer la serrure. Je suis un petit peu curieux. Écoutez. Ce qu'on va faire, parce qu'il y a des portes, il y a des trucs, des machins, et il y a surtout l'extérieur que j'aimerais beaucoup visiter. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se laisser là pour le moment, et dans la session suivante, dans un premier temps, je vais voir pour cette forteresse si je peux aller plus loin. Et si je ne peux pas aller plus loin, et bien écoutez, je continuerai mon exploration de Mule Sentière de l'Ombre. Et j'irai rendre Kaelin la Colombe à ses deux potes. Et on aura deux personnes de plus pour notre combat final. C'est bien, on commence à avoir une équipe qui a de la gueule, qui est un peu plus forte. Donc peut-être que la difficulté va se réduire. On verra bien. En tout cas, on se revoit tout de suite, en fait. Tout de suite, juste après, en fonction de ce qui se passe.